On va assister à une très belle affiche, Franck, dans ce championnat du monde. Et nous ne sommes que dans la phase de groupe, mais c'est vrai que c'est déjà une affiche qui pourrait ressembler à une demi-finale. L'équipe alignée par l'entraîneur. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Voici donc la composition d'équipe. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Les Autrichiens en coup d'envoi. Eddie Zéphane. Sofiane Feghouli. Il essaye de... Sofiane Feghouli est un petit peu court sur ce ballon. Ouais, parce qu'il ne peut pas la rabattre. Baumgartlinger. La grosse débauche d'énergie en perspective pour les visiteurs qui décident maintenant de presser. L'entraîneur leur a demandé de venir au contact du porteur du ballon. Un coup franc donc. Abel Bentaleb. Gardien qui nous régale encore avec cette parade. Et ce ballon qui sort donc en corner. Le premier but. Oh, ça ne devrait pas être le dernier, espérons-le. Les places sont ralenties maintenant pour analyser ce but d'un peu plus près. Il y a peut-être une erreur de marquage sur ce corner, mais ça n'enlève rien à la qualité du centre. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Florian tient. Et il lui redonne. Ah, c'est finalement un centre. Un hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Goulam. Zéphane. La
Nabil Bentele. Tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Arnautovic. À la barre. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. À la retombée peut-être. On le tire. Un long ballon loin devant. Voilà, touche longue, touche courte. Riyad Mahrez. Ah oui, faute absolument. Sa chance. On va suivre. Ça donne de l'air et ça soulage. Voilà, c'est encore un corner. Pas mal dans ce match. On va pouvoir jouer à la touche. Nabil Bentele. Alors je estime l'arbitre. Nabil Bentele. Ouais, ils ont des bonnes possibilités là en attaque. Nabil Bentaleb, un but tout en finesse. Ils sont récompensés de leur prise d'initiative. C'est bien, c'est logique, ils ont pris plus de risques, se sont créés plus d'opportunités, c'est normal. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts à présent. À la barre. Baumgartlinger. Allez, on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche. Voilà, la passe en retrait pour le gardien. Yacine Brahimi. Sofiane Feghouli. Ah, le gardien le touche, hein, pourtant. Très belle inspiration sur cette action, hein, Franck. Et ça donne à l'arrivée cette magnifique tête plongeante. Ah, ce qu'il fait sur ce but de la tête. Et c'est vraiment parfait. Un bon timing et un bon coup de tête. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle. Le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent de 3-0. À la barre. Ce sera une touche pour l'Autriche. Radovic. Yacine Brahimi. Frappe à la parade du gardien.
Il va frapper le corner. Et sortie du gardien, pas de problème. Goulam. Yacine Brahimi. Nous venons d'assister à une première période intéressante avec 3 buts à la clé pour une seule et même équipe. 3-0 donc. Ouais, bonne prestation de ce joueur dans cette première période. C'est bien ce qu'il fait dans cette première période. On l'a vu buteur et ça c'est toujours bon pour la confiance. L'équipe mène et c'est peut-être là l'essentiel. Alors, il n'y a eu aucun suspense hein, dans la première période. On va voir si les choses changent un petit peu après le passage au vestiaire. Aïssa Mandi. Goulam. Florian Thuram. Radovic choisit la frappe. Eh oui, c'est dedans. Ah, je crois que c'est le but du chaos. Ouais, ils prennent un peu plus le large maintenant, c'est sûr. Et c'est vrai qu'Hervé, le gardien est impuissant sur cette frappe juste sous la barre. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. L'avantage me paraît presque décisif maintenant. Arnautovic. Dragovic. Aïssa Mandi. Yacine Brahimi. Il l'avait vu venir cette talonnade. Baumgartlinger, il vient placer une tête imparable. Un capitaine buteur sur cette action. C'est à lui hein, de montrer l'exemple dans cette équipe et il a bien rempli son rôle. Et très bonne appréciation de la trajectoire sur cette tête qui était imparable. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Nabil Bentaleb. Yacine Brahimi. Bon, il y a des solutions, il y a danger. Attention, la frappe. Alors, ce sera finalement un hors-jeu. L'action qui se poursuit, l'arbitre ici. Alors, est-ce que l'arbitre va l'avertir? Évidemment, l'arbitre l'a vu, il y a main. Oh, il la récupère. Aïssa Mandi. À la barre. Le joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Oh, le tir! Ce sera sans problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Là. Il déborde, attention au centre. C'est une belle occasion cela. Le
le tir. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Christian Fuchs. Goulam. Nabil Bentaleb. Ouais, c'est très bien taclé ça. Eddie Zéphane. Nabil Bentaleb. Et il conserve ce ballon. Sofiane Feghouli. Un beau duel en perspective. La frappe! Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Le joueur qui quitte le terrain, tête baissée. Et il sait qu'il n'a pas été bon, hein, qu'il n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Il donne un petit peu d'air à son équipe. Allez, il faut qu'il centre là. Il a du soutien. Riyad Mahrez. Décide de prendre sa chance. Un but tout en finesse. Et que dire de ce but, Franck, que l'on revoit ralenti. C'est le geste parfait, non? Bah ouais, ça prouve surtout qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse frappe de balle pour marquer. Un bon tir en finesse et c'est au fond. Ah, magnifique cette trajectoire, juste sous la barre transversale. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle. Clairement, c'est un match à sens unique. Hein. Ce sera une touche pour l'Autriche. Florian Klein. Et la touche, décidément. Christian Fuchs. Au côté. À la barre. Riyad Mahrez. Et le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. La frappe. Et c'est un triplé. C'est un triplé. Troisième but personnel. Il fait un match énorme, tout simplement. 3 buts d'affilée, c'est superbe. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Dragovic. Qui met donc un terme à cette rencontre, une rencontre riche en buts, victoire nette 6-1. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, hein, ils auraient pu jouer toute la nuit, qui n'auraient jamais été inquiétés. On a tout de suite senti qu'ils pouvaient réaliser un grand match. Et ça a été le cas, vraiment. Bien, c'est peut-être lui la révélation du match. Un triplé avec la victoire au bout. Difficile de faire mieux.